que je ne suis pas censée être là ce soir. Ophélie, avouez, vous vous sentez mieux dans les bras qu'un de ces sinistres bals de charité où vous croisez des fils à papa écervelés. Justement, je n'en suis pas certaine. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement à notre relation et... je me demandais s'il ne serait pas judicieux que nous fassions une pause. Ophélie, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous savez que j'éprouve des sentiments très forts à votre égard. James, je ne sais plus quoi penser. Je suis tiraillée entre l'envie de vivre intensément cette passion qui nous unit et la nécessité de poursuivre mes études de droit. Oh, Ophélie, il est désormais trop tard. Nous sommes arrivés à un point de non-retour. Nous ne pouvons plus nous passer l'un de l'autre. James, ne dites pas ça. Vous me faites peur. Réfléchissez. Je ne suis pas sûr que votre père, qui est un gentleman, serait heureux de savoir que je m'éloigne de plus en plus de mon épouse pour les beaux yeux de sa fille. Monsieur, vous... vous m'inspirez un profond dégoût. Moi, un profond dégoût, Ophélie? Je savais que je prenais des risques en m'engageant dans une relation amoureuse avec un associé de mon père, mais j'étais loin de me douter que vous envisageriez de trahir cette confiance que j'avais en vous. Vous avez piégé mon innocence. Profitez de ma naïveté. Je vous hais. Voilà. Alors, je l'ai trouvée parfaite. Pour avoir un autographe? Thank you.
Chers auditeurs, bonjour et merci d'être à l'écoute. Le moment est venu de retrouver le Dr F pour son rendez-vous hebdomadaire Introspection. Aujourd'hui, il va évoquer le moi juvénile de la personne. C'est le moi que l'on apprend à connaître des dizaines d'années plus tard, par exemple sur le divan d'un psychanalyste. Ce moi se comporte d'une façon bien curieuse dans des situations de forte pression. Je dirais même que ça se produit sous l'influence d'un traumatisme psychique. Par exemple, supposons que le moi de l'enfant se trouve confronté à un puissant désir pulsionnel qu'il est accoutumé à satisfaire, et que soudainement, l'enfant est effrayé par une expérience qui lui enseigne que la réalisation de cette satisfaction aurait pour conséquence un danger réel difficilement supportable. Il doit maintenant se décider, soit reconnaître le danger réel, s'y plier et renoncer à la satisfaction pulsionnelle, soit dénier la réalité, se faire croire qu'il n'y a pas motif de craindre, ceci afin de pouvoir maintenir la quête de satisfaction. Bonjour. Bonjour. Il vous reste une chambre ? Chambre 33, ma petite dame. Le petit déjeuner de 7h30 à 8h30. Vous savez, ici, les gens n'ont pas l'habitude de faire la grasse matinée. C'est donc un conflit entre la revendication de la pulsion et l'objection faite par la réalité. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage de Georges, qui a 36 ans et qui aurait aimé être acteur de cinéma. Bonsoir, Georges, comment allez-vous ? Dites-nous ce que vous ressentez. C'est vrai que je pensais, docteur, que j'étais fait pour être acteur de cinéma. Cela étant, la vie en a décidé autrement. Mais parfois, le soir, quand je m'endors, je rêve d'être une grande star. Et je m'imagine être en pleine gloire. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faites aujourd'hui ? Certainement. Je suis juriste dans une grande entreprise. Je vous préviens que la maison ne fait pas crédit. Par contre, je vais quand même vous aider à porter votre valise. C'est pas la peine. Je suis actrice. C'est une actrice qui veut devenir célèbre. On n'a pas besoin de prendre grand-chose avec elle. Juste les textes qu'elle doit répéter. Eh ben, n'allez pas me dire que vous allez tourner un film dans notre région. Pas exactement. Je suis un petit peu fatiguée, si vous voyez ce que je veux dire. Et mon médecin m'a prescrit de longues balades en montagne. Votre médecin a entièrement raison. Il n'y a pas de meilleur remède à la déprime que l'air pur et le calme de la région. Le témoignage de Georges est intéressant. Il a apparemment su dominer sa pulsion. En revanche, certains répondent au conflit par deux réactions opposées. Ils déboutent la réalité et ne se laissent rien interdire. En même temps, ils reconnaissent le danger de la réalité. Sous forme d'un symptôme morbide, ils assument l'angoisse face à cette réalité et cherchent ultérieurement à s'en garantir. Il faut reconnaître que c'est là une très habile solution de la difficulté. Les deux parties en litige ont reçu leur lot. La pulsion peut conserver sa satisfaction. Quant à la réalité, le respect dû lui a été payé. Mais le succès a été atteint au prix d'une grave déchirure dans le moi. Déchirure qui ne guérira jamais plus, mais au contraire, grandira avec le temps. Ce déséquilibre du moi intime peut alors engendrer de nombreuses altérations de la personnalité. La dépression, la déchéance et, dans les cas les plus aigus, le suicide. C'est dans la boîte. On arrête 10 minutes. C'est pas mal. Tim, bah, on verra demain les photos, enfin, qu'on regarde ensemble. Et puis. Ah ouais, moi je comprends bien. Et puis. Ouais, les photos, bah. Comme je vous disais, j'ai pas eu le temps de les voir, mais on va voir ça en fin de journée ou peut-être la semaine prochaine. Okay. Et vous, en fin de journée, si on a une assistance, on va voir demain, on verra demain. Donc la semaine prochaine.
Bonjour ma petite dame, vous avez bien dormi? Tenez, j'ai reçu un fax pour vous. Merci bien. Que vous arrive-t-il, mademoiselle? Il semble que vous ayez reçu une bien mauvaise nouvelle. Cela ne sert à rien de vous mettre dans un tel état. Ça ne résoudra pas pour autant votre problème. Dites-moi pourquoi vous pleurez. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur vient en aide aux affligés. Il entend ceux qui sont dans la détresse. Quand j'étais petite, le pasteur disait que j'étais très jolie. Que je ferais du cinéma plus tard. Mais là, moi je ne sais plus où j'en suis. Je crois que j'ai perdu la foi. Celui qui veut posséder la gloire du monde risque en fin de compte de perdre ce qui lui a été donné. La vie est très courte. Elle est comme une promenade en montagne. Si l'on s'écarte trop des sentiers balisés pour s'approcher du soleil, on court le risque d'être aveuglé et de tomber dans l'abîme. Celui qui veut posséder la gloire du monde risque, en fin de compte, de perdre ce qui lui a été donné. Thank you.
J'écoute. Bien. Je serai là dans une demi-heure environ. Terminé. Je le savais, comme une sorte de prémonition. Régine, veuillez noter que la mort remonte environ à 20h, plus précisément à 19h35 selon les premières constatations du légiste. Vraisemblablement, il s'agit d'un suicide, mais l'autopsie qui a été ordonnée devrait nous apporter davantage d'éléments. À ce stade, il s'agit de ne rien négliger. La victime, de sexe féminin, est âgée de 26 ans. Elle portait une robe rouge au moment du décès. Ah, Régine, quel temps de chien ici. À mon avis, il faudrait mettre la découverte de ce corps en relation avec la récente disparition d'une jeune fille du même âge qui était en cure dans la région suite à une dépression. Une dénommée Laurence ou Laura Berger. Laura, je crois. Elle avait été dauphine dans un concours de Miss et voulait percer dans le monde du cinéma. Elle se disait artiste, mais n'a jamais rien fait de bien convaincant. Mon rapport sera demain matin sur le bureau du procureur Orbacher. Fin de l'enregistrement. Régine, je vous souhaite une excellente journée. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own. Bum, 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 bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Mr. Sandman, yes? Bring us a dream, give him a pain.